Source d'inspiration dans tous les arts, le vin est sans doute le seul témoin de toutes les générations, car en plus, il est inséparable de la notion de bien vivre. Depuis des siècles, les vins des lieux-dits Clos-Auduc, Favrel, La Chevalière, L'Ermitage scellent les amitiés, président au succès, entretiennent les souvenirs et procurent à l'homme l'évasion, mais aussi le plaisir et la joie, à condition de ne pas en abuser. La confrérie est ravie du bon augure que représente l'accueil d'une magistrate à notre sous-préfecture. Vézelay n'est pas seulement une colline éternelle, c'est aussi un vignoble dont on voudrait qu'il soit universel. Notre région compte sur vous pour être notre interlocutrice, car des vins de Vézelay, vous devenez l'ambassadrice. Il est temps d'accueillir Madame la sous-préfète Amélie Forbénard. Vous voulez bien ? Depuis 1992, il a fait les hautes études du collège de Tannay et préfère porter la serpette autour du cou, n'étant l'enfant que d'une treille. Famille de centenaires, il nous accompagnera longtemps de sa douceur liée à son surnom. J'ai nommé Jean Bissonnet dit Petit Chou. Allez, Petit Chou! Il aime se promener dans les magasins. Il adore les voitures, la vigne et le raisin, notamment tout ce qui en coule ou bien alors qui en découle. Accueillons ce retraité dont on ne sait encore qui c'est. Dédé le bleu, laisse-toi aller et réponds-nous, je suis le plombier. J'appelle André Rousseau. Bienvenue, cher ami. Voilà. Donc un melon, voilà, un petit melon, c'est le... C'est nos amis qui font partie maintenant de la confrérie. C'est un honneur. Et on va vous remettre la coquille qui va bien. Et maintenant, ben, la dégustation va commencer. Vous êtes là un peu pour ça. La 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 la